ma chérie, on y a là. Alors, maman, d'abord, avant de commencer, maman, si nous t'aimons bien, on va bien. Il y a un babi, un tababi, peut-être pas la va te marcher. Si nous t'aimons bien là. Si nous t'aimons bien, on va démarrer le diamant dans le cas là. Il y a 27 mois qui est monté là. Le chiffre là, monté à 34, il monte à 51. La montée, la montée. Nous t'aimons bien. Est-ce que vous t'aimons bien, Julie? Vous t'aimons bien là? Il y a des gens qui peuvent me voir qui pas de bail. Bon, mais je connais d'abord si nous t'aimons bien. Si nous t'aimons bien, je suis obligé d'utiliser une autre méthode qui n'est pas. Beaucoup t'aimons bien, non? Est-ce que vous t'aimons bien? Quand vous mettez deux mains ensemble, est-ce que vous avez dit oui? Mais j'ai une réponse qui dit oui. Moi, ça dit yes. On s'est dit, yes, nous t'en nous bien, ok, nous t'en bien, nous bien. Mais il y a ça qui passe, qui fait nous t'en très bien, ok. Ça qui fait passer, qui fait nous mal, vous t'en alors, il y a des gens qui babillent. Moi, je me rappelle, moi, lis les commentaires nous faisons. Moi, je lis même pour me capable de améliorer, parce que bon, c'est pour nous m'a travaillé. Ou c'est avec nous m'a travaillé. Donc, si elle a mal passé, elle est comme travailler pour grand merci. Mal t'en des commentaires, bon, c'est vrai. Et bon là, oui, moi fais le bon là, oui, parce que c'est tout pour bon là, oui, c'est permettre que nous avons ambiance, nous avons le cachant dans le caillou, nous faisons le bon là, oui. Mais il trouvait que la machine n'est pas passée tout près là, oui, mais oui, la machine n'est pas passée, fait bruit. Et micro, son micro qui capte son plus rapide. Donc, ça veut dire que des fois, nous ne pouvons pas attendre que nous disions, parlez plus fort, parce que nous ne pouvons pas attendre bien. Et nous ne pouvons pas parler fort, c'est son vibration, machine qui domine voix. Nous détendons voix quand même et n'a pas que me pas quitter le guet. Bon, en tout cas, on aller on quitter ça à terre. Nous on peut aller jeudi à c'est mardi 26 septembre. Comme nous avons moi dans cala moi dedans cala moi dans salle nouvelle la voie d'Amérique là. Donc moi pas dehors, ils ont tout simplement parce que la pluie. Moi mais bien sans la rue à bon, la pluie et m'va aller le tremper dans la pluie à dehors, c'est l'autre peut dans la pluie ou bien by grippe qui vient sur ou pas by qui parle venir affecter. En tout cas moi merci nous moi les commentaires moi bien content que nous avec moi et ça fait grand plaisir. Alors actualité à sous plan et ma parle d'abord actualité à sous plan États-Unis d'abord c'est dossier et congrès américain que surtout dans la chambre des députés que républicains dominé. Eh bien, il y a une idée qui a parlé là pour que le gouvernement a fermé après le 30 septembre, donc 1er octobre. Si les républicains, qui sont en majorité, si n'ont pas décidé de voter budget pour le fonctionnement du gouvernement fédéral, ça veut dire qu'il y a après tout le monde a fermé net. Mais la voix de l'Amérique, nous, a continué de travailler parce que c'est une mission pour nous. Et faire du gouvernement pour empêcher que nous travaillons, même si nous ne pouvons pas toucher, mais nous touchons après les tout le monde a n'a pas touché après. Ça arrive même pas à dire combien de fois que le gouvernement ferme pendant la voie de la mer. Mais nous avons toujours passé moment, dit pas aussi facile, non? Mais ça, le gouvernement a des débats à faire. Et le gouvernement doit faire, par exemple, il a passé l'autre pour que les locataires ou bien encore les gens qui ont le canon, et bien pour pas, ou doit sauter, pas payer, non? Ou toujours doit, mais on doit avoir un retard dans le paiement. Loyer caillou, on doit payer un retard dans bon pour payer machine. On doit avoir un retard sans pénalité, hein? On doit avoir un retard dans et carte de crédit. Donc le gouvernement dit mon yo, non, pas mettre intérêt on fait de retard sur individu ça sous emploi fédéral parce que c'est pas faute touché pas payé parce que pas qu'à toucher parce que le gouvernement fermé etc. Donc mais une fois que vous avez résolu tout quand vous êtes doué vous payez tout un seul coup tout quand vous êtes doué vous êtes gagné vous êtes campé pour vous payez tout un seul coup avec le gouvernement loi vous payez tout dette que vous gagnez vous payez tout un seul coup c'est comme ça réglementé. Et alors, sous plan, actualité à sous plan, et donc c'est congrès quand même, donc jusqu'à aujourd'hui, la République a réuni encore pour y avoir, si vous êtes capable de jouer nos barres pour éviter et faire un petit gouvernement, donc jouer un moyen pour financer le fonctionnement du gouvernement, donc pour tout un, et plusieurs millions d'employés fédéraux à continuer de travailler sans arrêter.
gen lot bay tou e ki ap regle tou se prezident Joe Biden ap toune premier prezident ameriken ki an fonksyon ki pral patisipe nan sanre le un sitin ke e syndika e otomobil yo ap fè nan Michigan. Donc on connaît que Michigan gen 3 syndicats, gen 3 gros syndicats, 3 compagnies automobiles américaines, c'est la rue. Donc monsieur gon grève là, il fait démission passée, mais quand grève là semble te fin une solution mais jusqu'à présent pour qu'on fin clair net, mais président Biden a fait une visite libéral au monsieur pendant que il a fait et grève contre employeur. Donc président Biden pour aller là etc. Donc nous gen 2 dossiers ça qui ensemble. Mais président Biden dossier qui habitué de la pour si tu as un problème là qui j'ai problème ça résoudre non pas aller tout n'a prêté toujours et ici aux États-Unis et gain tout demain n'a parlé de mercredi et 27 septembre c'est va débat pour et parti républicain pour candidat cap chercher nomination parti pour présenter parti républicain dans l'élection présidentielle 2024 yo. Donc il y a un gros débat, c'est le deuxième débat, mais question de vous poser, il n'est pas certain que l'ancien président Donald Trump a participé dans le débat ça pour une deuxième fois. Il n'a pas participé en première et pas une garantie qu'il a participé dans le deuxième. Non, tellement vrai que même parlé que lui-même tout, il a profité de même moment ça, tout le monde fait une émission dans même l'air, même pour être capable d'attirer plus de monde vers lui-même que et candidat au cap et fait débat sur ces deux dossiers qui sont très importants. Donc c'est l'ennui, puis nous parlons d'un pays d'Haïti, dossier en plus de monde saisi, vous voyez, le premier ministre Ariel Henry a gagné un accueil. Le monde vient avec chef de fleurs, etc. a venu saluer le premier ministre Ariel Henry. Ben, le monde, par exemple, son premier, après, vient avec chef de fleurs, vient accueillir le premier ministre. Non seulement dans l'aéroport, mais vient accueillir tout devant le primature. Et donc, son bail en première. Mais le premier ministre, tout, il était en discours. En plus, le monde dit que le discours était répondre, correspondre avec la situation face à la République dominicaine. Et que côté, il parlait que faire pression avec mes militaires à voler hélicoptères, faire avion voler, voler objets, comment elle est encore, avion téléguidé à voler, etc. Ça va poser problème, non? C'est un dialogue pour le problème Haïti avec les Dominicains, non? Et résoudre, soit faire construction canal là. Sans le président Abinader, il fait une déclaration tout sous dossier, ça tout. Il dit qu'il recommence une construction du canal qui a été campé. Et bien, il dit que les constructions, ça va être fini. Et bien, il va faire un lot, il va laisser la pauvre frontière. La pauvre frontière, et c'est pas le même genre encore. Et la son déclaration. Et en plus, le soir, il dit, bon, et, ok, Haïti a le bon réponse. Kif tout avec déclaration ça. Pendant ce temps, il y a un moment qui nous a encouragé pour que l'autorité haïtienne profite de la situation là, construire le canal parce que c'est beaucoup de haïtiens, parce qu'on ne peut pas construire beaucoup de dominicains, mais construire autant de canaux que capable, même si les dominicains sont fâchés, c'est un problème. Donc, son dossier qui a toujours été l'ouvri, et pendant ce temps, il y a un commerçant dominicain qui a déjà un babier tout pour manquer à gagner. Haïti, pratiquement, c'est le deuxième plus grand marché commercial. Donc, son manque à gagner pour eux. Donc, il y a une pression sur le gouvernement dominicain qui promet qu'il a cherché l'autre marché pour eux pour être capable de liquider les produits qu'il a gagnés. Et le prix pour du nécessité au côté Haïti est monté tête nègre. Pourquoi Machado lui mettait fait pour nous. Nous avons tout correspondant tout dans Cap-Haïtien. Non, ce n'est pas Machado, c'était Joudler qui fait un bail pour nous dans l'ordre de ça, surtout dans Fort Liberté. Et puis nous avons tout et Maxino, Jean-Maxino, qui fait un reportage pour nous tout, qui te dit nous qui j'ai un produit pour la nécessité augmenter dans la ville Cap-Haïtien parce que ces zones, sa zone là, c'est surtout marché dominicain, c'est un peu dominicain, nous avons acheté et approvisionné plus pour venir dans le marché local. Et pendant ce temps, Negamio continue à assumer la terre encore et week-end, eh bien, Negio est retourné encore dans la ville Sodo, et qui est dans Bablato Central là, côté monsieur était mené en attaque hier, d'après tous les médias locaux, et bien, et correspondant au tour, rapporté, Negamio est retourné, côté était fait un petit coup physique.
et que et police obligé d'en courir etc parce que monsieur était non seulement il était arrivé dans et dans zone là et week-end là et bien non seulement il était boulé caille tout le monde blessé monde il a attaqué pour le commissaire police là saisi par la police obligé jeter parce que police pas de gassé moyen pour te répondre avec force de frappe. Nèg a mieux te gain en tout cas premier ça il répond il dit petit petit pas occupé nèg qui a vite parler de la paix etc. c'est ça nèg la compte facile a tout fait donc il pas acheté à faire la paix nèg a parler de sous question cela et puis gain on nouvelle partie politique qui formé là pour nous parler de naissance nouvelle partie politique là je dis il a rencontré la presse puis a annoncé et nouvelle formation politique ça donc ça vient ajouter sur une liste bien longue quand c'était parti politique qui déjà là et puis dossier Kenya qui vous dit j'ai une mission et une mission et une force militaire et police en Haïti gain tout premier ministre il a confirmé gain 12 pays qui déjà apparaît pour porter contribution par eux dans force ça les États-Unis a annoncé une assistance financière pour aider et pour police nationale là gain le Canada qui lui même tout qui était en contact avec le premier ministre, on a parlé du premier ministre, le premier ministre Ariel Henry avec le premier ministre Justin Trudeau, ils ont été rencontrés, ils ont même tout été parlé de. Et ont donc le Canada, toi, fait police nationale là, pour permettre que l'y acheter équipement pour capable rencontrer ou bien encore et faire face avec les négamés qui ont été en terre. Et puis, une nouvelle unité dans la police nationale là, tout qui est là pour combattre exactement gang Améo qui chute dans la capitale là, et ils dit que, d'après ça qu'ils disent, ils disent que nouveau groupe ça, et bien, lui-même, il est en commencé par les résultats déjà dans l'attaque que fait, que ce soit dans la base Antigonique là, ou bien quand l'attaque qui fait tout, nous sommes capables de faire tout, opération que mener, donc ça va être bon résultat. Et c'est en principe, et puis dossier premier ministre même annoncé tout, dossier Haïti pour faire force multinationale là, tu es capable déjà de discuter dans le Conseil de sécurité, si pas l'Assemblée générale là, tu es gagné sur une passée, mais de toute façon, son dossier quand même, on va le passer sur lui, bien. Et Conseil de sécurité, bien, en fait, les États-Unis, ensemble avec quoi, tu as préparé une résolution pour mettre devant le Conseil là, pour demander au Conseil d'autoriser la mission SILA. Eh bien, pour une mission de parler, ils disent que bah, ça a déjà presque pareil déjà. C'est seulement une fois que le Conseil là, le Conseil de sécurité des Nations Unies, autorisé la mission SALA, eh bien, il va prendre le temps pour que les pays partenaires, les amis pays d'Haïti, mettent ensemble pour la mission SALA, ils viennent à Haïti, mais pas rien qui est confirmé. Et qu'il est force à aller, et puis on a posé la question, il y a force à aller demain, mais il y a un règlement qui est fait d'abord, qui peut permettre que force à aller, on va faire de mise en place, équipement militaire, tout ce qu'il y a besoin. Pour la main, le président Kenyan et M. Ruto, il a dit que pour pas là, parti par là, M. est déjà apporté déjà, et il a commencé à faire mal déjà. Pour n'importe comment, il y a Paris pour déployer, pour aller en Haïti, pour aller aider et pour la nationale là, faire face avec. Ben, concernant le premier ministre, il a parlé de l'élection, il a de gagner dans le pays, et que dans le jour qui vient, peut-être dans la semaine, il a parlé de travail avec au conseil de transition, hein, ensemble avec l'autre entité, pour qu'il y ait lancé. Et il y a une activité ou un processus électoral là, mais il y a des partis politiques qui ont des gens réticents à une déclaration de sa première sans faire parce que le climat n'est pas favorable pour permettre une élection dans le pays. Il faut que les conditions réunies d'abord pour qu'il y ait une élection dans le pays. Et puis, le mouvement activé, ça et tout. Pas paralyser l'école là, non, l'école a fonctionné, mais elle a fonctionné mi-bas. Et doba, ça veut dire que il y a un côté qui vient d'école normalement, il y a l'autre côté qui va à l'école, parce que ça va passer dans tout le centre là, qu'on a empêché l'école là à fonctionner. Il y a dans la capitale là, toute zone que les populations occupées, donc c'est de établissements scolaires que population qui ont déplacé et occupé, mais je ne sais pas pourquoi il y a une école, et là ça a été déplacé. Et le ministre Maniga a parlé de ça, il a dit qu'il a pris des dispositions, surtout pour les gens déplacés. Des capitales à caler de l'autre côté, et puis tu n'as pas des solutions pour permettre que tout le monde s'aille aller dans l'établissement scolaire à côté de l'éducation. Éducation. Et puis je dis assez mal, je me dis non, moi, la chambre est là tout. Donc, pratiquement tout le monde là, et je travaille pour moi, je travaille sur le dossier immigration, sous quantité d'immigrants qui sont censés
présenté sur Frontière Kounia, qui vient dans Tapachula. Tapachula, c'est dans l'État de Chiapas. L'État de Chiapas, il partage frontière avec Guatemala. On vient dans son État mexicain, qui partage frontière avec et Guatemala, et bien, les mineurs commencent à arriver là-bas, ils ne sont pas paquettes, à qui ils peuvent avoir une autorisation, un visa humanitaire pour qu'ils puissent continuer à voyager pour arriver et sous frontière, là, je vais partager avec le ministère, à côté de certains membres, par exemple, des asiles. Et mais Gampil, il faut qu'il fasse tout pour elle, dans quelle mesure les États-Unis sont deux pieds là, qu'on y a, avec question immigrants, ça va arriver sous frontière, surtout dans la zone Eagle Pass. Côté immigrant, arrivé par bande, chaque jour arrivé, et par bande et par des petits groupes, mais qui arrivent de façon rapide, et bien, l'autorité, quand même, il y a grand pile qui est sauté sur question ça, et nous connaissons que les républicains qui n'ont pas d'accord avec la politique, l'administration en Méditerranée, concernant la politique migratoire là, et bien, que l'administration en Ouest a créé l'autre problème. Bien que l'administration a aussi des programmes, le programme Biden, non, qui en fait avec qui fait en fait quatre pays dont Haïti, un programme et réunification familiale, il y a l'autre programme qui tout vise plusieurs autres pays pour façon pour permettre aux immigrants de choisir moins illégal pour entrer aux États-Unis. Et bon, c'est tout un problème et l'administration a anticipé que n'a pas le bon repos, mais immigrants qui pas attendre parce que justement il dit à chercher pour rendez-vous dans programme CBP One l'application, et bien, pas qu'à jeune de voir du temps passé, fatigué, découragé, et bien, je dis, mais façon, c'est venir en tête sur frontière, venir carrément pour rendre tête aux autorités avec espoir, qui était rentré, et c'est ça qui fait. Et si on a fait des critiques, il y a des fois, par contre, côté mon vidé, et puis on était rentré avec une date ou rendez-vous pour aller devant le juge d'immigration pour aller présenter Kayo. Voilà, c'est là, moi, je suis un petit avec nous aujourd'hui, je vais vous aussi utiliser ça avec nous là. Et mes programmes aujourd'hui, il y a plusieurs dossiers que nous avons abordés pour vous. Valérie, nous avons préparé son dossier. Saint-Michel a parlé de tout le monde, de l'autre dossier qui est aussi important pour nous. Et moi-même, je parle surtout du dossier immigration. Et immigration, surtout sous frontière Mexique partagée avec les États-Unis, quand c'est le monde qui a privé. Et qui problème que ça a posé pour l'administration américaine. Je vous dis, nous passons un bon après-midi. Ou encore demain, non même là ça, pour le petit cousin. Bye bye tout le monde et passez une bonne fête d'après-midi. Bye bye.